Quand on exclut quelqu'un, on dit qu'on le met au pouce, à l'annulaire, à l'index, au petit doigt. Non, mais au pouce, le seul pouce qui, on va dire, exclu. Enfin, le seul doigt qui est exclu de la main, c'est le pouce. Normalement, ouais, ça me paraît logique, ouais. Mais je cherchais la logique, parce que moi, je croyais que c'était l'expression quand on met au coin. Ah, pareil. Parce que mettre à l'index, c'est justement quelque chose qu'on fait au premier plan. C'est la main. Ah, bah voilà. C'est le Joker, c'est la partie de Joker. C'était le Joker, les gars, c'était la partie de show. Vas-y, là, on arrête les conneries. Non, là, les gars, venez, on arrête les conneries. On joue sérieux, allez. Bienvenue sur cette vidéo YouTube. On est parti pour un qui veut gagner des millions à 3. Et on est chaud. Le but, c'est de gagner. Évidemment, ça sera présenté par Jean-Pierre Foucault. Et c'est parti. Mais Jean-Pierre Foucault qui a maigri un peu. Et on est parti. Et qui a rajeuni. Une nouvelle émission. Et qui a un. Ouais, il a. Voilà. Il est jeune. Il est beau. Bonsoir et évidemment, c'est Jean-Pierre Foucault. Allez, c'est parti. Là, les gars, on la joue très sérieux, d'accord? Les gars, vous savez quoi? Cette vidéo est, quoi qu'il arrive, diffusée sur YouTube. Donc, on ne devrait pas vous donner la retour. Ok. Dans un texte, la citation d'un auteur doit toujours être placée. À la fin, non? Bien joué. Oh, mais non, entre guillemets. Là, en fait, le projet, c'est qu'on doit tous, nous trois, être d'accord pour voter pour la réponse. On a le droit, évidemment. Vous avez pris des risques. L'Espagnol breton est un chien très réputé pour faire le Quignaman, chasser le gibier, boire du cidre et jouer du mettre la baie, chasser le gibier. Voilà, il y a un petit peu quand même un. C'est normal, clichés. C'est les premières, les gars, on fait pas les fous. Vous savez, on fait pas les fous. Voilà une bonne réponse. Bravo. Bon, GG les gars, 200 balles. Allez les gars. Passons donc à une toute nouvelle question. Comment Roméo et Juliette se sont-ils surnommés? Les mariés de Fessou? Les amoureux de Vierzon? Les ch'tis à Venise. Ah, voilà. Bah gros, ça va pas être les ch'tis à Venise. C'est pas les mariés de Vesoul et c'est pas les amoureux de Vierzon. Non mais attends, bon, attends, tu connais pas l'histoire de Roméo et Juliette, gros? Non mais tu trolls, c'est pas possible. Bonne réponse. Blanche-Neige, cherche quoi? Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. Symbole de la République française, Marianne est la plus souvent coiffée d'un bonnet. Ah mais c'est le bonnet rouge là. C'est phrygien, non? C'est un bonnet phrygien. Et frigidaire et fripé. Bah les gars, c'est phrygien. Très bien. Et c'est un nouveau panier. Ouais. Bravo. 1000 balles, bon, on peut se barrer. Hein. C'est bon, on n'est pas venu pour rien, les gars. Passons donc à une toute nouvelle question. Ok. En lifestyle, une poche à douille sert souvent pâtisserie. Poche à douille, alors moi je pense peut-être pas la même douille. Hein. Mais si, une poche à douille. Bah, une poche à douille, c'est décorer pour un gâteau, totalement. Décorer bah, les oui. gâteaux. Ouais, moi une attends, douille, tu pas... sais pas c'est quoi une poche à douille? Non, je vais t'enculer vraiment, par contre. Non, non, une douille pour moi, c'est autre chose. Hein. Non, mais attends, tu déconnes. Mais gros, non, mais tu mais je vois, non, mais je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Gros, t'es pas dans ce braque, ça sert pas. Gros, tu l'écoutes, il sort du Bronx, c'est ouais, moi douille, moi c'est tout de suite Uzi. Je parle pas de ça. Bah, c'est quoi la poche à douille? Bah, tu te tapes une douille. Non, mais bon, allez, vas-y. Quelle œuvre de Banksy s'est autodétruite lors d'une vente aux enchères en 2018? Le gamin au parapluie, l'enfant à la fleur, le garçon à la fenêtre et la petite. Ah, c'est la petite fille au ballon, je crois. Oh putain, ah ouais, mais non, j'ai pas envie de vous mettre ça dans la tête alors que non, c'est faux. Pour moi, c'est soit l'enfant à la fleur ou la petite fille au ballon. Pour moi, c'est la petite fille au ballon. Nous sommes tous tombés d'accord sur une réponse et ce sera. De toute façon, on doit garder des bonus, hein, les gars, si on veut s'en sortir. Puis si vraiment c'est pas ça, ça sera pas sur YouTube. Hein. C'est bon. En France métropolitaine, hormis la Corse, quelle île a la plus grande superficie? Oh, dur. Eh ben, j'en connais à peu près aucune. Et toi, moi? Moi, je suis resté toujours sur Paris. Ok. Toi, t'as fait l'île de France, ouais. Les gars, l'appel au public, hein. On leur fait confiance. Hein. Bah ouais, bah on n'a pas le choix, les gars. On doit cramer le budget. Ah, bon, bon bah... de toute évidence, c'est pas la B. Allez, go. Au diable de l'avarice. Nous allons dire la réponse. Au pire, c'est pas sur YouTube et nique sa mère. Très bien. Allez, public, hein, nous trahissez pas, les gars. Hein. Et c'est oui la bonne réponse. Ça, c'est un bon public, ça. Allez, 12 000, les gars. La preuve. De quel pays, Aden, est-il le port principal, Adam, oui, pardon, et la capitale commerciale? Tu veux parler du film en Inde? Non, la pub qu'il y avait tout le temps là. Mais je peux pas aller au Yémen, je suis analyste financier. Oui, oui, ben quoi. Et bah, je crois qu'il parle de Aden, et le port d'Aden. Donc c'est forcément au Yémen, vu bon, qu'il bah, dit go, qu'il peut go, pas y go, aller. Go, allez. Nos références, c'est quand même les publicités Twitch. Le choix est fait. Je peux pas aller au Yémen, je suis analyste financier. Montez à bord. Voilà. Ouais, merci les pubs. Eh, hey, n'empêche, oui, cette pub, réponse. Elle nous a pris la vie. On la peine, on va mettre je sais pas combien de temps. Mais elle nous a rapporté 36 000 euros. Voilà. Quelle joueuse est la plus jeune numéro 1 mondiale de l'histoire du tennis? Oh mon dieu. On se tombe bien, je rappelle. Bon, 50-50 et le coup de fil à la tente. 50-50, il va nous laisser les deux Martinez, bâtard. 50-50, les gars. Ouais, 50-50, vas-y, nique sa mère. Ordinateur, veuillez retirer deux mauvaises réponses pour cette question. Attention. Non, laissez pas le A et la B. Ah bah ouais. Oh, putain, non. Bah, en vrai, Ingis. Moi,
moi je te dis, hein. Quand j'étais plus jeune, elle, tout le temps on entendait parler. De toute façon, on a une chance sur deux. Allez, vas-y, nique sa mère. Allez, nique sa mère. Voilà, on est riche ou pas? Risque qu'on paye. Bien sûr, c'est une bonne réponse. Mais pas assez, mais pas assez. Moi, je me déplace pas pour 72K, les gars, hein, je vous le dis. J'étais jeune à l'époque, hein. Je parle de ça en 1882. Ouais, je sais. Quel type d'aliment elle mange tout? J'aurais dit des céréales. Ça peut pas être un cookie et des céréales parce que ce sont. Non, ça peut pas être ça. Pour moi, c'est B ou C. Bah, les gars, il est temps d'appeler la tante. On va appeler la tantine. Vas-y, on appelle la tantine. Vous choisissez la. Elle va nous dire. Ah oui, si je me rappelle. Ah, c'est la même, hein. C'est Nour. Elle nous a mis dans la merde. Sinon, ma femme. Enfin, notre femme. Ouais, appelle notre femme. C'est qui veut gagner des millions au téléphone? Oui, bonsoir à vous. Oula, oula. Ouais. Elle est occupée, hein. Oui. Reprenez donc vos esprits. Notre candidat a vivement besoin de vous, et ce, dès maintenant. Tina, cette fois, c'est toi qui vas me sauver d'une situation délicate. Je compte sur toi, hein. Quelle colle. Il en raccroche. La C, sans doute. C'est difficile à dire. Allez, là, c'est. On écoute ta femme. Non, mais c'est même non, pas... Moi, non, des carottes mangent tout. Non, j'ai jamais entendu parler. Sinon, on se casse et on a 72 000, les gars. Le cookie et les céréales, pour moi, c'est impossible. C'est pas ça, d'accord? J'ai jamais entendu parler de carottes mangent tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par déduction, pour moi, ce sont des pois. T'as jamais entendu parler de pois mangent tout non plus, tu vois? C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Moi, si c'est un cookie, je me fous en l'air. Hein. Oh là, il fait durer les suspens et tout. Voilà. Voilà, ben ouais, des carottes mangent tout. Mais bien sûr, on n'est pas dans Harry Potter, sa mère. 150 000, on se barre. Avec quelle écrivaine féministe Norman Mailer a-t-il eu une série de débats dans les années 70? Là, je vous le dis franchement, je sais pas. Moi non plus, les gars. On appelle la tante. Eh les gars, c'est 50 000 balles chacun, c'est très propre, on peut partir, hein. Et GG, les gars. Et voilà, GG, 150 000, ça, c'est en convertissant en points, on va pouvoir s'acheter des mangas bientôt. Il y a moyen, hein. Attends, voyons voir, c'est combien de points. Donc, les gars, je vais vous. Oh, non, ça régale. Il faut arriver à 150 000 un peu plus souvent, les gars. Les points qui s'appellent les points neurones, vous allez dans la boutique et vous les échangez contre des questions sur les BD franco-belges, cuisine du monde, le football, les mangas, Disney, super-héros, série TV, Star Wars et Harry Potter. Sachez aussi qu'il y a un mode 1 contre 100. Vous avez le mode solo, si vous voulez vous entraîner. Vous avez le mode en famille avec des questions plus simples. Et le multijoueur local, c'est ce qu'on fait sur Steam. L'avantage, c'est qu'on peut s'inviter même s'ils n'ont pas le jeu. Et coopératif, chacun pour soi et chacun son tour. Bref, le jeu est quand même assez complet. Et ouais, même c'est stylé. Plutôt cool, c'est stylé. Pour le coup. On passe un bon moment. On passe un bon moment. Une dernière, les gars. Vas-y. C'est la last. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Pense évidemment à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Mets ton plus beau like et surtout, glisse ton meilleur commentaire. Merci, je compte sur toi. Un café noir agrémenté de quelques gouttes de lait. Quel nom donne-t-on à un café noir agrémenté de quelques gouttes de lait? Bah, une noisette, bien sûr. Un café noisette. Et c'est une très bonne réponse. Contrairement à un jeune mari, une jeune mariée, un bon vin n'a jamais... Un vin, c'est une belle robe, c'est un bouquet parfumé, et un mais ça n'a pas de caractère chaleureux. Bah, un bon vin, il n'a pas une belle mère. Ah bah oui. Il a pas une belle-mère, les gars. Oui, non, mais je suis con, non, mais c'est... Bien joué. Vous êtes des paroles du dessin animé, la reine des... Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Ouais. Et elle, c'était Vla la mytho. Bonne réponse. Je t'avais dit que c'était une michto, fais-moi confiance. Avec cette toute nouvelle question. Oh, chez Disney, quand Peter Pan et les enfants volent vers le pays imaginaire. Oh, ben c'est la tour Eiffel, je crois. Ah non, c'est Big Ben. Et c'est la bonne réponse. On est bon, là. Bon, on est bon. Là, on est chaud, on est chaud, gros. Tu sais quoi? Là, il est à l'ouest déjà depuis la première question. On lui filera 1000 balles. On lui filera 1000 balles. Moi, il nous a juste conduit ici, les gars, au plateau. On s'est fait suspendre le permis, les gars, et il nous a déposé. Au début, je devais pas rentrer, on m'a juste poussé. Pour refroidir rapidement une bouteille, il faut la plonger dans un seau d'eau glacée avec, c'est du sel, je crois. Une poignée de sel, ouais. Je ne m'y attendais pas, mais c'est effectivement la bonne réponse. Bien joué, Quentin. Et les gars, là, je suis en fonction de brefs souvenirs et tout, ça fait peur, les frères. Hein. Elle aime... Ok, les gars, ça c'est bon. Moi, on te laisse répondre. Elle aime les chemisiers. Sans faute d'orthographe. Pour moi, c'est la A. Elle aime les chemisiers de la couleur jaune du citron. Ouais, je pense. Attends, ouais, je pense aussi, ouais. Ça me ferait chier de partir là-dessus. Et toi, Mo, t'en penses quoi, mon pote? Moi, je suis pas certain de la 1. J'irais la D en vrai, mais je sais pas où la C. Y'a rien qui va, putain. Parce que bon, y'a plusieurs chemisiers qui sont jaune citron là. Donc je les mettrais quand même au pluriel. Ouais, mais non. Et non, tu comprends pas. C'est une couleur. Ouais. Je crois que si. Elle aime les chemisiers de la couleur jaune citron. Et comme citron est rattaché à jaune, qui est lui-même au singulier, bah le citron n'a pas d'S. Alors, on peut mettre là, mais je suis pas sûr qu'une couleur ne puisse pas prendre de S. Pour moi, c'est ça, parce que... Bah pour moi aussi, mais... Bah vas-y, on est deux contre un, Nick, hein. Non, mais... Ah bah l'équipe. Les gars, sinon il y a le public. Mais après, on l'aura plus.
Après, on n'a plus rien, ouais. Donc, si on utilise le public, c'est parce que moi, on nous met le doute. Allez, Gola, vas-y. Vas-y, Gola. Parce que j'essaie de lui trouver un exemple, mais je trouve pas, là. Ouais, ce sera la réponse A pour nous. C'est faux, évidemment. C'est voilà. C'est qui le patron ici? Voilà, c'est pas bien. Je te fais fermer ta gueule. Mais non, mais gros, on te donnera 20 balles. Quand la couleur est en adjectif, c'est invariable. Question suivante. Bon, bah, pour les savants, on va demander à moi, peut-être mot. Erasme, ça te dit rien? Erasme? Ouais, et c'est pas une maladie, hein. Tout de suite, j'ai mis mon curseur sur néerlandaise. Si, c'est bon, c'est ça. Et c'est la bête. Voilà. Les gars, la tête de ma mère que jamais, au grand jamais, j'emmènerai moi qui veut gagner des millions. Même si lui m'appelle, parce que lui a été sélectionné, je refuse. Bah les gars, qui en sait quelque chose ici en vrai? Qui est en Allemagne? Bah moi. Mais frère, j'ai pas été à Spando. Bah les gars, on a pas le choix. Public. Il reste quoi? Bah vas-y, public mon pote. Je dirais Berlin au pif. Il faut espérer que les deux dernières questions, c'est sur les jeux vidéo. Là, c'est... On va faire confiance au public. Jusque là, le public ne nous a jamais. Ouais, c'est vrai que c'est pas des schlags. Et voilà. Une bonne réponse. Et les gars, on a battu notre record. On a battu notre record, les gars. GG. Combien? 300 000. Ouais. On est bien. On est proche, hein. Plus que deux questions. Attends, on peut le faire. Quoi? Quoi? Bah oui. Attendez les gars, oh, attends. Ta gueule. Oh les gars, on arrive à la fin, on tente le tout pour le tout, on est d'accord. Hein. La spectrophobie, ça faut toujours séparer. Donc une phobie, on sait c'est quoi, c'est la peur, voilà, de quelque chose. Spectre, ça peut être la lumière, un spectre lumineux ou un côté fantôme, entre guillemets, oui, esprit c'est ça, ou... Ouais, je suis d'accord. Je dirais miroir pour spectre, et ton miroir te reflète. Mais déjà, c'est pas aiguille, c'est sûr. Les gars, c'est la dernière question, il y a forcément un piège. Vraiment, je c'est dirais pas les si miroirs. La peur des miroirs, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Parce que regarde, Loulou, il est spectrophobe. Ouais. Et il nous l'aurait dit. Il a jamais utilisé ce mot-là. Bah non, c'est plus sa famille qui a peur de lui. Je pense que le piège, c'est qu'il n'y a pas de piège. Vas-y, bah je vous suis, mais sans plus. Les gars, j'ai Carrie, ça me ferait chier de perdre ça. Voilà. Donc Mo, t'auras tes 150 balles, comme prévu. Voilà, tu pourras rentrer en bus. GG. Donc les gars, c'est qui veut gagner des millions? Le jeu qui a été fait par Microïd. Et franchement, c'est plutôt pas mal, ça a de la gueule. Comme vous pouvez le voir, on peut s'amuser en coop. On peut s'amuser en ligne avec du 1 contre 100. On peut faire pas mal de petits trucs très sympas. N'hésitez pas, si ceux qui veulent, c'est sur Steam, c'est sur Switch. C'est sur peut-être aussi les autres consoles. J'ai pas regardé, pour être très honnête avec vous. Il y a 3000 questions par pays. Donc il y a de quoi se régaler. Chou chou tout le monde.